Toutes les pêcheries ont des visions qui reposent sur un développement durable, autant pour les espèces que l'on pêche que pour les pêcheurs qui les exploitent. Il faut que ça soit durable pour tous. Ici, l'accélérateur, au départ, c'est les pêcheurs. Les pêcheurs ont évidemment connu un moratoire sur la morue, ne voulaient pas revoir cette chose-là arriver à nouveau. Donc, ils se sont pris en main, ils ont adopté des mesures de conservation il y a déjà longtemps. Ils ont établi leur plan de durabilité en 2010, les pêcheurs de homards se sont dit qu'il fallait à la fois protéger la ressource, qu'il fallait aménager les fonds marins, qu'il fallait réduire l'effort de pêche parce qu'un trop grand effort risquait d'avoir des mauvaises conséquences. Puis, il fallait aider à la fois la science, la gestion et y participer de façon à s'assurer que la pêche était durable. Aujourd'hui, on peut le montrer aux gens parce qu'on a une éco-certification MSC. Ça bénéficie à tout le monde, autant à nous, les pêcheurs, qu'à nos consommateurs, ceux qui vont acheter nos produits. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer, à innover, à trouver des solutions qui font qu'on passe d'une pêche traditionnelle à une pêche qui peut rester traditionnelle, mais tout à fait innovante. On arrive à faire ce virage écologique-là en le prenant à bras-le-corps. Nous, là, c'était de réduire considérablement les rejets de phosphore. C'était la problématique au niveau du secteur aquacole. En 2004, on a décidé, l'ensemble du secteur, de réduire de 40 % nos rejets de phosphore. Dans le cas de la ferme piscicole des Bobines, pour être capable d'augmenter notre production, il fallait diminuer les rejets de phosphore, autant plus de ne pas les augmenter. On partait de 210 tonnes, qui est la production actuelle, pour être capable d'augmenter à 460 tonnes. Mais à 460 tonnes, il fallait réduire considérablement les rejets de phosphore. Fait qu'au lieu d'être à 4,2 kg de phosphore par tonne de production, on va réduire en dessous de 1 kg de phosphore par tonne de production. Fait que je pense que c'est le plus beau virage écologique. Je pense que c'est la plus belle réalisation au niveau d'un secteur là, d'être capable de réduire de 4 fois les rejets. Il y a une possibilité de développer des affaires en y croyant. Il faut avoir une vision à moyen et à long terme. Les pratiques d'affaires responsables, je dirais que c'est quelque chose qui va de soi parce que ça bénéficie d'abord à nous, les pêcheurs. Quand on a une pêche responsable, durable, c'est sûr qu'on garantit ça pour l'avenir. Et bien sûr, tout ça, il faut que ça puisse bénéficier aux consommateurs, bénéficier aux pêcheurs et à l'environnement.